de la Paris Retail Week 2016. Donc la Paris Retail Week qui se déroulera les 12, 13 et 14 septembre 2016 à la porte de Versailles. Frédéric Michaud, qui va venir me rejoindre, à qui je vais passer le micro et qui va nous donner en direct live les résultats de cette étude. Le commerce sur Internet s'est immiscé dans les interstices qui, dans la vie quotidienne des Français, qui autrefois, et soit des temps de transition, soit du temps perdu, tout simplement, là, c'est investi par le consommateur qui souhaite consommer ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Je vous remercie pour votre attention. J'avais une question déjà pour Aurélia de chez Castorama. Qu'attendent les Français dans la manière dont les marques, les enseignes veulent communiquer avec eux? Les consommateurs cherchent de plus en plus de contenu personnalisé. Donc c'est vrai dans les publicités, comme le montre ce point-là. On a tous lu, je pense, les récentes stats, 30% des Français auraient installé un adblocker. Bonjour Audrey, est-ce qu'on écoute des clients pour faire de l'augmented retail chez Europe Assistance? On a mis en place depuis le début de l'année, en même temps que notre nouvelle stratégie, justement coller toujours plus près du besoin des utilisateurs. C'est le chat communautaire. Alors qu'est-ce que c'est que le chat communautaire? Pour y faire quoi? C'est très important parce qu'on se coupe du vide. Même chez les intérieurs, c'est ultra central. Juste pour rebondir, on ouvre la sollicitation sur les centres d'appel. Antoine, un grand merci. Et je vais passer la parole à Sophie Lubé. On a un événement d'envergure avec 50 000 mentorés, 50 000 professionnels, 340 speakers. Donc, un grand moment à prévoir dans les agendas.